On se retrouve dans cette vidéo pour tous les défis, mais également les lettres du chapitre moment décisif du dernier tigre, le tout dernier récit de guerre de Battlefield 5. Donc vous verrez ici où trouver les 6 lettres, comment atteindre les documents sans alerter le moindre ennemi, et également atteindre le canon anti-aérien à pied sans alerter le moindre ennemi. Bon visionnage. Alors dans cette partie, on va s'intéresser aux 6 lettres à trouver dans le chapitre moment décisif. Donc là on est au point où pour la première fois le char s'arrête. Il faut nous emparer d'un canon anti-aérien. Donc on avance. L'objectif est plutôt à gauche, mais tout de suite à droite le char. Ici il y a un point avec des armes dans la ruelle. On a la notification. Alors il n'est pas facile à trouver. Il est en grande partie enterré. C'est notre première lettre, la vie des enfants. Alors encore une fois, le point de repère, le char est ici. On continue. Bon, je ferai peut-être pas toute une traite, notamment ici, parce que c'est pas évident de le faire en stealth. Voilà. Deuxième document dans cette pièce. Pour éliminer tout le monde, on s'en pousse au calme. Voilà, le document est juste à côté. C'est le deuxième. Je continue. On tombe juste derrière un char. On va prendre ici l'immeuble complètement détruit. Par contre, lors de mon premier let's play, je l'avais trouvé. Donc normalement on doit descendre, mais si on monte, le canon anti-aérien est juste ici. C'était qui part par là. Voilà, Mercure ne cesse de monter. C'est notre troisième document. Bonne idée. Notre objectif est par là. La quatrième lettre qui est là, avec le canon anti-aérien qui est là. Donc en fait j'ai traversé en diagonale, hein. On était ici lors de la troisième, la quatrième est là, et donc en fait c'est la quatrième et dernière lettre tout autour de la zone du canon anti-aérien. Les deux dernières se trouvent lors du deuxième arrêt du char, lorsqu'il va falloir atteindre les documents secrets. Donc la seconde étape, il nous faut détruire les documents secrets. Donc le char vient de se mettre à l'arrêt. On va aller derrière lui, à gauche. Là, ici, vous avez une barricade avec un passage entre les deux. Zone objet caché abri. Alors c'est pas tout de suite ici. Il faut descendre. Une zone assez éclairée avec une table, et là vous avez le cinquième document.
parvenir sur nos pas. Je ne perds pas. Parvenir vers notre char. Voilà, là on est à notre position initiale, donc l'objectif est ici. Donc le cinquième document finalement était à l'opposé de l'objectif. Ensuite ici, notre objectif est par là, nous on va passer par la gauche. Ici il y a un petit chemin, il n'y a personne, par contre on a un document qui se cache dans la zone. Sur des caisses, l'objectif est là. Ce qui fait le sixième et dernière lettre dans cette zone, mais également dans tout ce récit de guerre, puisque toutes les lettres sont concentrées à un seul et même chapitre. Allez, dans cette partie, on va s'attaquer au défi atteindre le canon anti-aérien à pied sans alerter le moindre ennemi. Un continent en moins. The bartender says, "Wow, I never saw anybody drink that fast." The sailor replies, "Well, you'd drink that fast too if you had what I have." The bartender, "Hey, I heard something. That's enough of that." Prends sa position, j'ai l'impression. Go on, soldier. See what it was. Mais en fait, c'est celui qui regarde dans ma direction. Hey! Mother! Nope. Je me mets à ramper. Don't leave us in the dark. I don't see anyone. Ce qui est embêtant, c'est que dans le petit groupe de 4, il y en a un qui regarde dans notre direction. C'est lui que je voulais absolument distraire. On a fait une bonne partie du job, par contre il en reste un. Oui, hein. Voilà. C'est fait. Passer par là. Allonger la rue histoire de pas être repéré par ceux qui sont là. On arrive presque au bout. Atteindre le canon anti-aérien à pied sans alerter le moindre ennemi. Alors je l'ai fait d'une seule traite et comme souvent je pense qu'il faut le faire en une seule fois sans utiliser le checkpoint
qu'il y a entre le char et le canon anti-aérien. Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Une petite sortie. Ce bordel. Ah oui d'accord, c'est énorme automatique, j'avais du mal à le aussi. C'est bien de les viser comme ça après. Quand on n'a pas de vision, on a leur ombre et ça nous donne une indication sur là où ils se trouvent. Attention, lui va me courser. Câble. Profite pour passer. Notre objectif. Chut, vous m'avez pas vu. Ich denke, das war's. Dans les documents sans alerter le moindre ennemi. Bingo.